êtes avec Bellune. Je suis ravie de vous. Alors, c'est parti pour regarder qui c'est qui va commencer pour un tirage de cartes un petit peu complet, général, pour chaque signe. On va voir avec qui je commence au hasard. Et je commence avec cette carte. On va voir qui c'est. Eh bien, c'est les scorpions. Les scorpions, ravis de vous accueillir ici et maintenant là. On va regarder pour vous l'énergie ici avec ce tarot qui vous accompagne ce dernier semestre de l'année 2021 pour le scorpion. On va regarder pour le scorpion. Alors, scorpion pour le dernier semestre 2021. Alors, nous avons le 2 de bâton. Moi, je dirais que vous avez vraiment envie. Alors, je ne sais pas si... Oui, c'est bon, vous voyez les cartes. J'ai l'impression que là, on va vous accompagner, même, je dirais, pour un projet. Peut-être que vous avez déjà commencé à faire les papiers pour un projet, les scorpions, pour ce dernier semestre. Mais c'est important de le mettre en place. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous dit que vous devez le mettre en place. D'accord? Donc, vous avez au niveau du tarot, toujours, une carte qui nous dit ici que vous devez vous inquiéter un petit peu sur... Il y a des inquiétudes ces derniers mois de 2021, des inquiétudes sur un projet à part, peut-être, un projet que vous avez. J'ai envie de vous dire que, oui, certes, il y a ce projet qui vous tient à cœur. C'est vrai que vous avez un petit peu peur de le mettre en avant. Peut-être que vous le cachez, justement, parce que vous avez... peur que les choses ne se fassent pas comme vous voulez et peut-être qu'on va pas vous écouter, vous voyez, on va pas vous écouter dans la façon dont vous allez le faire. Donc du coup, vous le mettez de côté, mais vous le cachez un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui arrive très fort là ce dernier semestre pour vous, pour se réaliser. Il y a quelque chose, il y a une réalisation en tout cas. On va regarder maintenant avec carte complètement différente pour voir un petit peu les messages. Pour chaque signe. Alors ça, c'est un petit peu l'énergie. L'énergie de votre âme. Voilà, je vais l'appeler comme ça. L'énergie de votre âme. On a une carte qui sort et c'est la justice. Voilà, c'est pour ça. Il y a eu injustice par rapport à quelque chose sur un projet que vous aviez. Et là, vous le remettez en place et vous avez peur vraiment que ça ne se fasse pas. Donc ici, on vous dit, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Vous voyez ici, n'ayez pas peur. Les choses vont se faire. Il faut juste que vous... Vous laissez les choses se faire lentement, je dirais, hein, parce que peut-être que ça vous parle, mais ça vous parle aussi d'un empressement. Ouais, vous voyez, quelque chose qui vous est pressé que ça se fasse. Alors là, on va regarder avec ce que nous dit ici les énergies pour l'été. Vous voyez, l'énergie de l'été pour vous. Ami scorpion pour l'été. Été 2021. Voilà. De la douceur pour vous. C'est important. Sentez l'amour du ciel pour la terre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Restez serein par rapport à ça parce que c'est vraiment... sentez l'amour du ciel pour la terre, c'est vraiment de vous connecter un petit peu à la douceur hein, pour arriver ces derniers mois. Cet été, en tout cas, vous allez avoir de la douceur qui va vous permettre peut-être de vous reconstruire sur quelque chose, d'accord? Et de vous sentir un petit peu plus en sérénité, en tout cas, avec tout ce qui arrive. Alors, on va regarder maintenant un message avec Osho au niveau du travail. Voilà, c'est le travail que je voulais voir. Je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu... Voilà, suivez le courant hein, par rapport à ce qui se passe au niveau du travail. Ne vous mettez pas de stress.
On vous dit ici, les choses, regardez, ne les faites pas avec, avec la douleur. Faites-les plutôt dans quelque chose de paisible. On vous le dit ici. Parce que peut-être que des fois, vous êtes un petit peu rigide hein, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. On le voit ici. Hein. Il y a une rigidité. Il y a quelque chose où vous vous comparez peut-être à l'ancien, au passé. Et on vous demande ici vraiment de rester connecté. Mais dans la maturité, votre rêve, vous allez le réaliser. On le voit ici, c'est très fort. Vous allez le réaliser, les scorpions. Mais il vous faut du temps. Et il ne faut pas le faire dans la douleur. Vous voyez, ici, au niveau du travail, on reparle encore de ne pas vous comparer aux autres, d'être un petit peu plus juste avec vous-même. Il manque un petit peu de maturité au niveau du travail, de quelque chose que vous voulez faire. Suivez le mouvement, vous allez voir, les choses vont se faire. On va peut-être vous demander quel est votre rêve. On va vous demander ça au niveau du travail. Quelle est votre intention? Peut-être qu'on va, on va vous demander en septembre, par exemple, pas des comptes, mais des... comment dire? Je cherche mon mot, mais on va vous peut-être vous finaliser un projet avec vous, mais on va vous demander vraiment ce que vous avez au fond de vous, si vraiment c'est votre rêve ou si vous en avez un autre. On vous demande de formuler en tout cas au niveau du travail ce que vous avez envie, sans passer par des souffrances, vous voyez, vous devez vraiment le faire avec plaisir. Il y a des prises de risque, c'est vrai, mais voilà, c'est comme si on allait passer par une notation, quelque chose comme ça, où on vous demande un peu plus par rapport à votre rêve, ce que vous voulez réaliser, et donc vous allez passer peut-être devant, ou en tout cas vos employeurs, pour voir si vous êtes capable de le faire, pour voir vraiment si vous avez, si ça se solidifie, d'accord? Si ça se met en place. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, parce que des fois, voilà, on s'échappe un petit peu au niveau de l'intuitif. Ici, pour finir, les 6 cartes que je vais prendre. Enfin, je vais prendre 3 cartes. Générale, carte clé. Voilà, j'essaie de rester sur ma... 4 cartes ici, pour voir un petit peu au niveau en général ce qui va se passer pour ce semestre 2021 pour vous. Alors, en général... Il y a une loyauté, c'est vrai, quelque chose où on peut vraiment compter sur vous à partir de cet hiver. Moi, je pense que vous le finalisez, ce projet. Hein. Regardez un petit peu ces cartes, elles sont très très belles. Hein. Vous finalisez quelque chose. Vous apprendrez à le faire avec douceur hein, pour vous. Voilà. Restez dans la créativité ici, vous voyez. Il y a beaucoup plus d'espoir dans la créativité parce que ça vous... Ça vous booste la créativité, ça vous remet dans la réalité aussi. Hein. Ça vous emmène de nouveaux projets même, je dirais. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Ouais, c'est bon. Enfin, juste que je les remonte un peu. Je sais. Ok, alors... On va regarder avec... Voilà, vous avez l'impression d'être en retard par rapport à quelque chose. Hein. Vous avez peur d'être accusé. Hein. Vous allez signer peut-être un nouveau contrat, un nouvel engagement. Je parlais tout à l'heure de votre hiérarchie. Vous allez peut-être vous retrouver devant vos employeurs. Ils vont vous demander qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui se passe. Vous avez peur du jugement. Hein. On le sent, hein, ces derniers mois, semestre 2021, va faire que vous allez apprendre à prendre du temps, parce que peut-être que vous avez l'impression d'être en retard et vous avez peur des reproches. Mais ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. On vous dit de rester vraiment connecté à votre créativité, hein, et à partir de cet hiver, les choses vont se faire, on va dire avec cette carte d'espoir, les choses vont bien se passer. Ne pensez pas à ce que ça se passe mal, je dirais, vous voyez. Ne pensez pas à ce que ça se passe mal, parce que sinon vous allez emmener l'énergie. Il y a quelque chose comme ça, ok? Alors, amis scorpions, on finit avec des petits messages pour vous. Avec le message en amour. On va regarder un petit peu en amour pour vous, qu'est-ce qui va se passer. Pour les scorpions, pour ce dernier semestre 2021, un point de vue,
au niveau de ce fin d'année. Alors, en amour, on vous dit relation karmique, pas de souci, vous connaissez déjà. Si vous entamez une relation, on vous dit c'est bon, ce dernier semestre va vous emmener en tout cas une relation karmique. Si ce n'est pas fait, si vous êtes en couple depuis longtemps, eh bien, on vous rassure, tout va bien. Message angélique aussi pour vous, les scorpions. Scorpion, message angélique. On a une carte qui veut venir. Prête attention aux synchronicités. Alors ici, ça nous parle des synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Voilà un petit peu ce message pour vous, les scorpions. Très important, je dirais, pour finir cette vidéo, pour que vous compreniez qu'il y a des choses où vous devez prêter attention aux synchronicités, des choses, des guides essayent de vous envoyer des messages. On regarde maintenant avec le cirque divin ici, un message un petit peu pour voir avec ces cartes ici, vous allez voir, elles sont vraiment très belles. Donc je fais le mélange. C'est vraiment un message, on va dire, pour clôturer votre semestre, voir le message divin, message divin, du cirque divin. Je coupe pour vous. Et vous avez confetti, une très jolie carte avec ce message pour vous. Ici, on va aller le regarder, regarder un petit peu ce beau message. Scorpion. Donc ici, ça nous parle. Vous aurez quelque chose à fêter d'ici peu. Une grosse victoire, un avantage symbolique qui indique que le meilleur reste à venir. Un doux succès vient à votre rencontre. Préparez-vous à le fêter. Voilà les scorpions. Préparez-vous à fêter quelque chose d'important. Il y a une affirmation dans cette carte. Prononcez l'affirmation suivante à voix haute. J'aime la vie, je célèbre la vie, je trouve la joie dont j'ai besoin pour que mon âme soit libre et sauvage. Voilà, je vous dis à de suite pour d'autres tirages de cartes, en tout cas pour d'autres signes. Je vous dis bon semestre à vous les scorpions. Hein. Je vous dis à de suite, non, c'est vrai que je voulais dire, je vous dis à bientôt, en tout cas les scorpions, plein de bonnes choses pour vous pour cette fin d'année 2021. En tout cas, cet été sera dans la douceur. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.